Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour la suite de Nightingale pour l'épisode 2, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, on va terminer le tuto. Faut qu'on fasse attention parce qu'il y a une bestiole pas loin. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un peu de nourriture. Vous voyez, j'ai quand même 13 de baies pour être tranquille. Et donc je me suis avancée un petit peu pour me faire une maison qui est juste ici. Que je viens de remarquer qu'il y a un trou, je savais pas qu'il y en avait. Et en fait aussi pourquoi je me suis mis là, c'est parce qu'il y avait cette structure là que j'aimerais bien voir avec vous pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est parti. Alors on va avancer un peu, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y aurait à l'intérieur? Ah, il y a ça. Par contre je sais pas si j'aurai de la place. Si ça va, j'ai la place. Ça, j'ai récupéré la dernière fois avec vous. C'était des liaisons d'eau, donc c'était des trucs qui étaient sur l'eau. Je crois que ça fait de la santé, mais je sais pas si je m'empoisonne. Ah bah non. Donc ça va. Oups, non, je voulais pas faire ça. Tant pis. Je crois qu'il y en a un deuxième. Alors, les lingots d'étain, je pense qu'on pourra en faire après. Donc on peut les extraire, comme ça nous permettra d'avoir un peu plus de pièces. Oui. Je sais pas combien, je crois qu'ils nous ont donné 100, il me semble. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas du tout, j'ai pas vu. On va essayer de monter, on va voir ce qu'il y a. On a un écho qui est ici. Donc, le rappel, hein. Et les échos, c'est les souvenirs. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Je sais pas ce qu'on a récupéré. La poussière, on dirait. Des minerais d'étain. Ouais, 8 kilos, c'est un peu trop. On l'a pas eu. Voilà. Je préfère pas les prendre tout de suite les étains, mais plutôt les extraire parce que je me dis techniquement après on en aura besoin, mais là on en a absolument pas besoin donc ça sert à rien du tout. Oh, le portail est juste là. Oh, il y a une deuxième. Oh, j'avais pas vu qu'il y en avait un deuxième. Oh, c'est pas grave, on n'ira pas forcément. Oh, alors attendez. Est-ce que. Ouais, il y a un autre truc derrière. Voyons, oui. D'ailleurs, je suis en train de me dire. Pic. On fait plein de bruit. On va regarder déjà ce qu'il y a là-haut. Voyons, oui. Là, il n'y a rien. Donc il n'y a rien. On va regarder maintenant en haut. Il y en a un ici. Alors. On a un lingot d'étain encore. Ça fait 1 kilo. L'étain, ça n'a pas l'air d'être très cher. Par contre, l'alchimie, c'est pas trop lourd, donc on va le garder. Par contre, ça a 3 kilos, quoi. D'accord. En même temps, on pourra regarder s'il y a d'autres souvenirs pour aller les récupérer. Ça, c'est de la nourriture. Oh, un parapluie. Ah, ça, par contre, c'est bien. Ça, par contre, c'est très bien. On va mettre genre 8, comme ça, elle n'aura rien sur elle. On a un autre coffre qui est là. Et là, il n'y a rien. On a une carte des profondeurs des terres sauvages. Jouez cette carte pour réduire les dégâts que vous infligez. Bon. Donc si on a bien en gros avoir des difficultés, on peut prendre ça. Je pense. On a un charme. D'accord.
Bon, ça, on l'enlève. Ça nous en fait 4. Bon, je pense qu'on a tout. Je vois qu'il y a de l'étain ici, mais on ne pourra jamais y aller. J'étais pas censée. Je voulais pas faire ça. Je vais me casser la guinette si je fais ça. Et on peut pas aller là-haut. À mon avis, on a peut-être des trucs pour aller là-bas, mais pour le moment, on n'a rien. Alors, il y avait un endroit. Est-ce que c'était ici? Oui. Il y avait ça, là. Impact de la chute. Imprégnation et détermination. Donc, ça me permet d'avoir de l'endurance. Ah, c'est des runes. Des runes d'endurance et des runes de blocage. Et un bois sculpté. Oh, par contre, c'est super lourd. Ben voilà. Par contre, on va devoir tomber. Après, je me dis, le camp, il est juste à côté, ça devrait le faire. Je me bats où il est d'ailleurs. Oh, c'est pauvre entorse. Notre camp, il est où? Je sais pas. Mais après, je me dis, on n'a pas besoin. On peut peut-être commencer à partir. C'est de l'autre côté. Ah, mais non, j'ai le truc de santé là. Voilà, c'est bon. Et ben, on va y aller. On va y aller. Il faut la quête. Il nous faut 3 ossements. 3 ossements et 3 viandes. Il faut qu'on trouve 3 ossements. Donc on trouve des méchants. Où est-ce qu'on peut en trouver là-dedans? Petit, je vous ai entendu. Tout seul en plus. Non, il n'est pas le seul. Oups. Hé, chou. Assez d'endurance. Ça, c'était facile. C'était facile. C'était vraiment facile. La vache, tout ce qu'il y a. Et il y en a eu beaucoup. Ah non. Donc il m'en manquerait un seul. Mais il pleut. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le parapluie. Le parapluie. Et on va essayer de se trouver un autre prédateur. C'est trop bien fait, je trouve. Je suis trop contente parce que le parapluie, c'est, on l'a pas normalement, quasiment pas dans le jeu. C'est trop bien. Ça change. Ça change complètement. Je pense qu'à mon avis, ils l'ont attaqué. Ah mais ça a pas compté. Ah non, il faut de rang 1, donc à mon avis c'est des rangs 0 peut-être. Donc il faut qu'on retrouve un méchant. Petit méchant. Oh, j'en entends un. Il est où? Oh, il est là. Ça ne tourne pas. J'en profite. Il m'a vu? Non, il m'a pas vu. Oups.
Allez, prends tout. Oups. Je voulais pas la pierre. Oui. Fabriquer une perrine de fourrure. De fortune plutôt. Donc c'était C, il me semble. Non, c'est pas ça. B peut-être. Tipeee, tapis. C'est où? Ah là. Ah, c'est un vêtement. Et là, il faut qu'on cuise de la viande, des trucs de son. Alors, maintenant qu'on est taillé, on va mettre ça. Tac. On a posé la nourriture. Donc on a trois viandes à faire. Viande légendaire, carrément. Bah, j'hésite à tous les faire, honnêtement. Vas-y. Ça, le 6, on peut l'enlever. Je vais me mettre en 9. Il pleut. Bon, par contre, c'est pas logique qu'il pleut ici et que nous, il pleut encore. Je sais pas. Je n'ai pas vu devant. Il y a un truc à... Ah non. Je pensais qu'il y avait un truc à récupérer, mais non. Donc ça, c'est fait. Et il faut qu'on fasse ceci. Donc on a des nanos. Et ça. Et on peut en faire 4. Par contre, on n'a plus de place. On a des graines. Est-ce que ça, on peut le diviser? On ne peut pas diviser? Bon, on va extraire. Chaud. Oui, objet réparé, à réparer. Donc clic 3, réparer. Ça on verra après. Ah ça, il faut qu'on en mette. Pourquoi elle est pas bien? Pourquoi je suis pas bien? Attendez. Ça c'est quoi? C'est une peau. Qu'est-ce qui est lourd? Total 15. Effectivement. Oui, effectivement. On reprendra des branches après, je pense. Il pleut, on peut pas aller dehors. Il est où, machin? Il est où? Monsieur, j'ai fini. Vous avez ôté la vie pour préserver la vôtre. Une nécessité n'en fait pas un vice dont les âmes s'abrèvent comme du vin de pissenlit. Je vous ai fait faire le tour. Parmontez-vous. Normalement, c'est parmontez merveille, non? Par champ et marée. Ainsi, le monde temporel de désuicité. Donc, si on est dans un monde de désuétude. Ah, désuétude, étude. D'accord, pour apprendre quoi, tutoriel. Nous attend ainsi que Rossignol. Rossignol, je pense qu'à mon avis, c'est chez lui, mais je suis pas sûre. Ou alors, c'est chez nous. Tout d'abord, vous devez faire confiance à votre essence intérieure et choisir le paysage qui vous attire. Ah, pas besoin de mots. Pensez, ça suffira. Le marais. 100% j'adore le marais. L'effroi de la tourbière. Jouez vos cartes, mais attention. Les liliers déferleront dès que l'arche se réveillera. Fracassez leur crâne pitoyable. Soyez sans pitié. Alors, avant, on va donc qu'il pleut plus. On va attendre qu'il pleuve plus parce que là, c'est de galère. La viande, on va la laisser pour le moment. Par contre, ça, on en aura besoin. Est-ce qu'on peut s'en refaire? Voyons voir.
Vas-y. On a le feu à 50%. J'ai l'impression. On attend un tout petit peu qu'il pleuve plus et puis on va y aller. Bon, vous savez quoi, on va y aller. Vous savez quoi, on va y aller parce que je sais pas quand est-ce qu'il pleuvra plus. Ah, mais il pleut plus. Bon, tant mieux. Allez, on y va. Donc, soit on les attaque, soit on les attaque pas, du coup. On va voir. Ah, du coup, on n'a pas la même carte. Jouez cette carte pour trouver un monde peu dangereux, propice à la construction d'une propriété. Oh, on va faire la maison. Même les plus vieux magiciens ont été incapables de trouver l'origine de cette carte. Trop bien. Ils sont où ? Restez sur vos gardes pendant l'alignement des mondes. Ils sont où ? Ah là ! Il y en a un. Oh, il y en a beaucoup. Vache, mais ils sont où ? Il y a vraiment beaucoup. Ok, on en a tué un. Ok, un c'est fait. Le dernier. Vache. Mais on a énormément de mal à se défendre. Ça, c'est pas fini. Oh, la vache. Pourquoi on n'a pas d'arc ? Oh, c'est bon. Your path forward is winding and full of terrors. Save yourself. Survive the realms. And rebuild all that has been lost. Donc il nous propose de refaire notre vie. Notre ville surtout, je pense. Alors. Donc là, ça y est, on y est. Donc c'est notre début quoi. Ouais, j'ai vu ça. C'est notre tout début, enfin, dans plus le tutoriel, en gros. Ah, nous avons réussi. En laissant de côté les traverses, votre début... Vos débuts, on prévient. Je vous souhaite sincèrement la bienvenue sur les terres sauvages des fées. Oh, on est revenu. Ce monde est depuis longtemps oublié des fées, perdu dans les limbes. Un peu comme vous. Comme c'est approprié. Ainsi, voilà de quoi vous installer. Mais attention,
Sous peu, l'obscurité tombera, et avec elle, les périples sixièmes posées des fondations, et vous rendra un trépied dans la terre. J'ai pas compris. Pendant que vous jouez l'architecte, je dois explorer certains coins de cette terre sauvage pour trouver des connaissances appropriées. Ça marche. Donc, il vous conserve quelque chose. Mais avant, j'aimerais bien regarder un peu la map pour savoir où je voudrais m'installer. C'est trop beau. Alors, voyons voir. Oh, elle est gigantesque la map par contre. Oh, en plein milieu, ça serait tellement bien. On a un portail qui est pas loin. Ça, c'est quoi? Transmutateur monde. D'accord, on peut faire des trucs. Je sais pas qui c'est. Oh, il y a un marchand. On va aller jusqu'au marchand. On va s'installer vers le marchand, alors. Mon refuge. J'ai pas de refuge, moi. C'est quoi? Moi, ça me tente du coup d'aller vers ça. Pour voir déjà ce que c'est. Est-ce qu'on peut y aller? Je pense que oui. Alors, de ce que j'ai compris, pour les armes, il est préférable. Apparemment de ne pas réparer son arme trop tôt. Oh, il y a des tonnes de trucs. Vaincre les ennemis. Non, merci. Non. Maladie parce qu'il y a des vers dedans. Et comment faire? D'accord, donc ça c'est un donjon. Bah c'est bon à savoir. Est-ce qu'on peut faire... Je pense que c'est ça. Non. Non. Ouais, c'est gigantesque. On va mettre genre ça. Ouais. Oh, oui, ça peut aller. Et moi, j'aimerais bien aller du côté gauche, là-bas. Là, il y a un truc. C'est joli. Alors, attendez, on va s'installer avant. Comment on peut dire? Genre ça, par exemple. Bon, c'est pas vraiment le truc approprié, mais... Bon, c'est déjà pas mal. Faut qu'on se dépêche parce qu'il a dit qu'apparemment la nuit peut être dans pas longtemps. Faut qu'on fasse attention parce qu'il y a l'air d'avoir des... Comment dire ? Des maladies. L'eau, elle est là. Donc pour le moment, il n'y a pas d'ennemis pour le moment. Oh, par contre, c'est blindé d'objets là, blindé d'endroits. Moi, j'aimerais m'installer là. On va se faire un truc. Genre ça. Ouais, on va se faire ça. Et la maison, je l'ai mis où? Je sais pas. Ah ouais, vraiment, c'est plein d'autres choses. On va se casser là. Mais casse-toi. Mais pourquoi il est méchant? Pourquoi il était méchant? On y est bientôt.
j'ai encore des bugs de réseau. Non. Par contre, ouais, j'ai des sacrés bugs de réseau à chaque fois, c'est fou. Ça y est, on est devant. Après, la pile devant, ça peut être sympa. On est en plein milieu de tout. Ça peut être sympa aussi. Genre pile là. Mais je sais pas si on peut construire. Voyons, fouille. Oh, il y a une statue. On va voir. Mais normalement, les statues, elles étaient devant le portail, non? J'ai mal au ventre. Est-ce qu'on peut se faire une maison ici? On dirait un temple. Ouais, c'est carrément un temple. Est-ce qu'on peut se faire du coup une vie, une maison ici? Je pense pas. Hein. Ah, on peut rien faire. On peut rien faire. Saute. Les pions. Bon, on va se mettre à côté. On va se mettre à côté, je pense que ça peut être pas mal. Oh, il y a un truc trop mimi là-bas aussi. Franchement, je sais pas honnêtement. Mais je pense que c'est pas mal de s'installer ici. Bon, alors, normalement, les constructions, c'est B. Donc, c'est ça. Il me faut des blocs de pierre, mais je veux que je fasse comment? Ah, si, je crois savoir. Oh, on peut. On peut complètement. Bah, vas-y, pas loin. Ok. Après, la maison, ça aurait été top. Ou ça aurait été top aussi. On va voir. On va voir, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Déjà des pierres. Alors... 40. Alors, je pense que ça va ça. Ouais. C'est pas des blocs de pierre, c'est des blocs de grêle, non? Si. Ok, ça va être bon. Juste deux. Petite pierre, là. Et d'ailleurs, on a des pierres juste ici aussi. Par contre, ouais, j'ai encore des sacrés lagues pour le réseau, c'est hallucinant. Mets-toi en zéro. Pardon. Alors. Petite pierre. J'ai besoin de petite pierre. Il n'y a pas beaucoup de pierres, hein, j'ai pas l'impression. En tout cas, pas ici. Bon, on va devoir se balader. Pourquoi pas là-bas? Sinon, attendez. On va regarder la map. Ah, mais je suis pas du tout au bon endroit. C'était censé être là. Yups. J'étais censée m'installer là-bas. Yups. C'est pas grave. Yitchuk. Il y a des pierres là. Il m'en faut au moins 15. Désolée. Il m'en faut 15. Je crois que j'en ai vu. Oui. J'en suis à combien? J'en suis à 8, 8, 8, 16.
Je crois qu'il m'en faut 20 au total, hein, si je me trompe pas. Ouh, c'était quoi ça? Ah, c'est pas les mêmes qu'on avait chez nous? Ouais, si. On en a 17. Bah, je pense que ça suffit, mais on en a besoin aussi pour le foyer. Ouais, ils sont deux. J'ai combien de places encore? Je peux peut-être en prendre encore un, mais c'est tout. Ouais, là, je peux plus. Je crois qu'elle avait bugué. Donc nous, on peut se repérer avec les statues, là. C'est comme ça qu'on peut se repérer. On sait où est la maison. Mais il y avait des pierres, ici. C'est pas grave. Normalement, notre maison, oui. On évite d'aller dans l'eau pour avoir des maladies. Alors, donc ça marque une zone sûre pour construire votre propriété. On a du tannage qu'on pourra faire. Ouais, mais du coup, c'est vraiment en danger, quoi. Votre ténacité emporte sur les bourrasques du destin. Et vous avez comblé cette fée. Je pense que c'est elle. Il, lui. En vous installant ici, vous pouvez bientôt vous aventurer plus loin. Cet appât éternel auquel l'humanité succombe souvent. Si vous entendez le chant des sirènes, il vous faudra une nouvelle carte. Chant des sirènes. Heureusement, tout ici est à portée en main. Et ici se trouvent des connaissances que l'amitié de lui, d'Urbain, permet d'obtenir des traversées de monde se trouvant sur des sites de pouvoir. Oui, j'ai vu ça. D'accord, donc ici, en fait, c'est la terre des fées, mais les humains ont pu venir ici pour construire des choses, si je comprends bien. Il y a de nombreux sites, chacun offrant accès à des sphères toujours plus lointaines, la plus proche, et la genèse, déjà formidable pour une personne novice. Vous devez d'abord y entrer en passant par un seau forgé par ces derniers, les enfants de la terre, et avoir rêvé de notre sagesse infinie. Pourquoi la gravité de leur contrat? Mais du coup, j'ai un contrat avec lui aussi, non? Leur porte barre la route de ceux qui ne sont pas dignes, mais je vois en vous cette étrange étincelle plein d'espoir. Nourrissez-la. Et ce qui est son origine, qui est à l'origine de l'humanité. En gros, on est en train de faire son blabla. D'accord. Donc je crois que c'est... Je suis pas sûre. On va se mettre le parapluie. Je suis pas sûre, mais je crois qu'il parle de ça. Pas de ça. Non, pas de ça. Bah justement, c'était pas ça que je pensais. C'est, voilà, c'était ça. Je pensais que c'était ça qu'il parlait, mais j'ai l'impression qu'il parle de ça, du coup. Mais en tout cas, il y a un marchand, donc ça peut être pas mal. Et nous, par contre, il faudrait qu'on se fasse une maison... renommée, pas besoin. Alors, voyons voir dans mon pays. Oui! Tout ça, c'est un toit, ça, c'est une porte. Ah, il y en a plein. Alors, attendez. Ça, c'est quoi? Un panier de poisson. J'ai pas de poisson. Survie, j'ai vu qu'on avait débloqué un autre, non? Propriété, non. Repos, non. Ah, voilà. On a un tannage. Le feu de camp qu'on avait de base. Et on a un établi. Bon, trop bien. Oui, on pourra faire un arc. Heureusement que je ne l'ai pas pris. D'accord. Donc il a dit des fondations. On a des fondations comme ça ou des fondations en pierre. Je pense que c'est mieux les pierres du coup. Étage supérieur, étage supérieur. Des fondations en pierre, je pense que c'est le plus solide honnêtement. Et c'est assez facile de ce que je peux voir d'en trouver. Et je pense qu'on va s'installer vers là-bas. Oh, ça serait trop bien dans l'eau. Ça ferait trop stylé en plus.
Si, ouais, ça serait stylé. Y'a pas un endroit encore plus près où y'a beaucoup d'eau? Ouais, ici. Comment je fais? Je pense ça. Ouais, c'est ça. Ici, c'est encore plus stylé. Donc. Fondation en pierre. C'est vraiment plus facile hein, de trouver des fondations en pierre de ce que je peux voir. Pas trop comment je vais faire ma maison. Et genre... Attends. Trois sans bloc? Non, c'est une blague, il avait pas demandé ça. En gros, ce que je voudrais faire... Déjà, on va mettre une ici. Il est quelle heure? Ok, j'ai encore 10 minutes à peu près. En gros, ce que je voudrais faire, c'est de faire après un balcon en bois, si on peut. Pour faire joli. Un petit balcon en bois, là. Et en là-bas. Voilà. Bon, on va se trouver des blocs de pierre. Et normalement, c'est à gauche. Mais normalement, on peut passer à travers le truc de fil. Ouais, là-bas. Normalement, on peut. Ça nous évite de choper des maladies. Il pleut, je vois rien. Je vois rien du tout. Alors, il me faut des blocs de pierre. Ça, ce n'est pas... Oh, on voit rien. On voit rien, on voit rien. Ah là, il y en a. Je suis à combien? Ah, attendez, je vais juste vérifier un truc. Parce que le stockage, il me faut 10 fibres et j'en ai combien? J'en ai beaucoup. Parce que je me dis peut-être qu'on peut poser nos affaires dedans, mais pas sûr. Parce que j'ai vraiment pas de place. Là. Elle est où ma maison? Oh, il y a un arbre trop bizarre juste devant. Ma maison, où es-tu? Là. Ah si, en fait, il me faut beaucoup. Il faut beaucoup de choses. Oh, la vache. Ah ouais, je vais prendre du temps, quoi. Je vais prendre énormément de temps. Mais alors, attendez. Est-ce que... je peux placer des choses dedans? Placer. Comment on fait pour placer? D'accord. Les pierres, pour le moment, on n'en a pas besoin. La viande, on va la garder peut-être, par contre. Dommage. Ça aussi. Par contre, la viande, j'aurais bien aimé le mettre là. Les fleurs aussi. Et peut-être ça. Voilà. Par contre, mettre la viande ici. Ah ouais, mais il va falloir que je dors aussi. Je commence à être KO. Mais écoutez, ce que je vais faire... Ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer les affaires qu'il me faut.
Je vais aller récupérer les affaires qu'il me faut et je vous rejoins parce que ça a l'air d'être beaucoup. Ah non, c'est la totalité. Je pense que c'est la totalité de l'endroit. Ok, bah, je récupère ce qu'il faut et je vous rejoins. Donc à tout de suite. Bon, alors du coup, j'ai récupéré ce qu'il fallait. Oh, d'activer un truc, je sais pas comment j'ai fait. Ah, quand vous sautez, faites clic droit. Oh, trop bien, quand vous sautez, faites clic droit, du coup ça vous plonge... Ça vous amène loin, trop bien. Oui, il me manque 6 blocs et c'est fini pour le sol. Ça demande tellement de ressources. C'est hallucinant. Par contre, monsieur, il veut me parler depuis tout à l'heure. Aller si loin en possédant si peu, c'est une habitude d'asset qui vous incombe à une telle retenue? Non, il me semble que plus pertinemment pour... Je comprends rien. Qui sont les marchands d'essence? On retrouve des marchands d'essence dans la plupart des mondes. Ils proposent des plans, des ressources et des objets de consommation en échange d'essence. Les mondérons peuvent acheter des plans aux marchands en essence pour améliorer leur répertoire de structure d'équipement et de fabrication. Les mondérons peuvent utiliser le kit afin d'afficher les objets disponibles chez les marchands en essence des différents mondes. Les marchands en essence apparaissent également sur la carte sans cas d'échéant. Pour acheter des objets, sélectionnez-le, appuyez sur le bouton acheter. Ok. Vous êtes une espèce très rare, très rapide. Votre espèce a très rapidement profilé sur la Terre. Vous êtes tout industrieuse et soucieuse de répondre à des besoins toujours plus grands. Cédez à leur soif d'essence, ils céderont à votre désir de nouvelles constructions. Une table de couture simple. Oh, ça fait mal aux oreilles. Il nous en reste très peu. Par contre, pourquoi ça brille? Pourquoi ça brille là-bas? J'aimerais bien voir ce que c'est. D'ailleurs, on va voir de la maladie. Ah d'accord. On va en profiter. Ah, il y a déjà des essences dedans. Alors là. Donc il nous en manque 6. Et on aura fait le seul. Et là j'en suis à combien? Bah j'en suis à 6. Mais si je me fais... je pense que les murs, je vais peut-être les faire en bois. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, je me dis en pierre, c'est peut-être mieux en vrai. C'est plus... plus sécurisé. Je sais pas. En tout cas, on a des trucs. La maison, elle est où? Elle est où la maison? J'ai perdu la maison, pile devant nous. Je peux pas. Ah si je peux. Ça y est, on y est. Un poil de maison. Alors j'étais fatiguée, du coup j'ai fait ça, j'ai refait ce truc parce que j'étais vraiment crevée. Oui. Bon, on a un sol, c'est déjà pas mal. Ce qu'on pourrait faire, c'est du coup des murs. On pourrait faire un mix des deux. Des murs en pierre et des murs en bois, ça peut être sympa. Genre. Cadre de porte. Le cadre de porte, je pense que je la ferai en pierre. Donc, genre par exemple là. J'ai combien de... Ouais, c'est ça. Après, de chaque côté, on met du bois.
Je pense que ça peut être pas mal de mettre une fenêtre. Pas deux, mais une seule. Genre là. Je l'ai mis à l'endroit. Je l'ai mis à l'endroit, c'est bon. Après, pardon. On en met un tout simple. Tac. Un autre tout simple. Tac. Un dernier tout simple. Donc, vu qu'on a mis une porte là, on va en mettre une porte ici. Mais pour changer un peu, on va pas la mettre au milieu, on va la mettre là. Tac. Après, est-ce qu'on peut faire rajouter une fenêtre encore? Genre là, par exemple, dans l'autre sens. Comment on peut faire? Rotation. C'est ce que j'ai fait. Ma rotation, c'est ce que je fais. Mets-toi normal. Non. Mais je clique, mais tu veux pas faire la rotation. Ah, ça y est. Hop. Et donc, là, on fait que des murs. Donc... comme ça. L'espace, j'ai mis du bois. Voilà. Alors, tout le bois est mis. On va mettre pratique. Ah bah non. Il manque du bois et il manque des branchages. Ok. Mais c'est bien parti. Et d'ailleurs, des fenêtres, on en a. Il faut d'ailleurs une porte aussi. On a un escalier. Ça peut être pas mal pour dehors. On n'a pas de fenêtre. Attendez. On va poser tous les plans. Déjà une cuisine en bas. Ça me paraît logique. J'allais dire en plein milieu, mais non, on va le mettre sur le côté. Voilà. Le tannage, on le fera après. Il nous faut au moins ça. Tac. Au pire, on va le poser. Je vais plutôt le mettre là pour changer un peu. Tac. Donc, on aura mis ces trois là. Propriété, c'est bon. Repos, on va récupérer l'autre. Stockage, on va en rajouter. Et un ici aussi. Voilà. Survie. On n'en a pas besoin. Et réparation. Ah non. D'accord, donc ça c'est bon. Pas de toit, j'aimerais bien faire des étages. Déjà un escalier avant tout. Et on va le mettre où? J'aurais bien aimé, en gros, le mettre là-bas. Oh non! Ah ouais, j'ai carrément une autre idée. Ça va être stylé. Bon, j'espère. J'espère. En gros, la suite du haut de la maison, ça va être ici. Et du coup, le lit sera là-haut. Et donc, ici, ça va être des toits. Donc, les toits, ils sont plats, du coup, alors. Ouais, on a que des toits plats pour le moment. Faut acheter, je pense, à mon avis. Faudra les acheter. Tac. Tac. Non, lui, il est à l'envers, du coup. Non, l'autre sens. L'autre sens, mon cher. Voilà. Est-ce que je fais un trou ou je fais pas un trou ici? Je réfléchis. Non.
va faire ça. Et reviens. Voilà. D'accord. Donc, au moins, il me faut 50 bois. Ok, bon. Et ben, vous savez quoi? On va s'arrêter là-dessus. Ce qui est bien, c'est que on a quand même énormément avancé. On va récupérer tout ça en même temps. Pourquoi c'est rouge? Je sais pas. Au moins, l'avantage, c'est qu'on a fini la... Comment dire? On a fini le tuto. Donc ça, c'est bien. On a fini le tuto. Il nous restera à finaliser du coup la construction. Je pense que ça peut être pas mal qu'on la continue ensemble la prochaine fois. Ça peut être sympa. Il manque un tout petit peu de pierre, mais pas beaucoup. Donc ça, c'est con... Je vais dire, c'est contente. C'est pas français. C'est bien, je veux dire, plutôt. C'est bien parce que on n'a pas beaucoup de pierres à avoir. Est-ce qu'il... Et puis bah voilà. Donc, moi, je suis contente parce que le jeu, au final, pour le moment, il est assez simple. Ah oui, il faut que je répare. Le jeu, pour le moment, il est assez simple. Donc ça, c'est pas mal. Il est plus ou moins facile pour le moment. Alors, ceux qui veulent savoir comment je fais pour récupérer tout en même temps, c'est juste un clic. Faut juste cliquer sur le E. Non, je me suis pris l'arbre. Faut juste cliquer sur le E prolonger. C'est tout. Il n'y a pas grand chose à faire. Juste prolonger mon. Oh, je vous jure, je parle plus français. Juste longtemps. Seulement faire longtemps et c'est bon. Bon. Ah, mais ça va, je reprends la santé. Je vais m'arrêter là-dessus. J'espère en tout cas que vous aurez. Oula, j'ai un gros bug. Je vais même m'arrêter là-dessus. J'espère en tout cas que vous avez bien aimé la vidéo. Oh, c'est quoi ça? Vous saviez qui fait ça? Oh. Bah, ça prouve qu'on n'est pas dans un monde normal. Ah, je sais pas. Bref, on s'arrête dessus. J'espère en tout cas que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous pensez du jeu. Parce qu'on vient juste le commencer. Et du coup, je vous dis pas à la prochaine fois. Bisous tout le monde. C'est trop beau.